Mais bruit. Sur l'autoroute passant sous les camions. Ah ouais, grave. Bon, tu dis bonjour à ta caméra. Bonjour, on est avec Lucien. Bonjour. Encore okay. Avec Lucien. Ah là là, il y a anguille sous roche. Il y a ruta sous sa main. Il y a comment dire, la viande dans le torchon. Bon, moi je vais présenter sa vidéo parce qu'elle a pas l'air d'avoir envie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour Sarah. Voilà. Sur sa belle Nissan 370Z. Porte en élitre. Très important. On est chez Shiftech Tours. Voilà. Mais ça aurait pu être Shiftech Lyon, Paris. Nantes. Et posage de ligne. Ouais. Là, ça va être quelque chose. Voilà. Ouais. Alors, moi, ce que je te propose. Enfin, bon, je pense que tu es déjà au courant. On pose la caisse sur le pont, on la lève, on dépote la ligne. Oui. Ensuite. Carto éthanol. Oui. Ça c'est chef Médéric qui est toujours au téléphone. Toujours au téléphone Médéric, c'est un grand. Il y en a qui bossent ici. Ouais, ça arrive. Ouais. Et puis après passage au banc pour voir 400 combien de chevaux sortent. Comment ça fait? C'est quoi les pronostics de moi je dis ça sort ouais. 330 moi j'ai. Même pas 300. Non. Bah ça fait 313 d'origine. Ah ouais, mais ça sortira même pas 300. Ah bon? Regarde, c'est que m'appeler. Il a déjà pronostiqué que ma 310 elle était merguez. Même pas 300 il a dit. Sarah, à chaque fois qu'elle vient, on est à peu près 20% en dessous de la puissance donnée par le constructeur. J'y peux rien. Même carto. En plus on a fait la révision et tout. Je la respecte la voiture. Bonjour Médéric. C'est quoi ce Médéric? Quoi est-ce qu'il y a ma sœur? Bonjour Médéric de chez Shiftech. Oh là là, tu dis. C'est de ma wish ça, non? Du coup, c'est le grand moment, on va voir si ma Z est saucisse ou pas. Voilà. C'est bien. Ouais, ça va, franchement. Ah. On s'attendait à pire. Quand tu vas voir le premier côté marbré, là, ça y est, tu vas commencer à enlever les garnitures de porte, le toit. Ce sera le début de la mettre un main hydro jusque là. Ouais. Et là, tu te diras, ça y est, roule plus sur l'eau, je m'en bats les couilles. Tu me respectes pas mes dents, franchement. Tu veux bien filmer le unboxing, s'il te plaît. Oh, regarde. Ça, c'est un truc au bijoux. Et ça, c'est de la valve. Ça, c'est les télécommandes de valve. Donc ça, non, ça se met sur la prise OBD. Ça va juste prendre le signal régime et donc le contour, si tu veux. D'accord. Pour dire à tes valves, là, t'as trois modes, ouvert, fermé, automatique. Et avec le CAN bus, ça va lire le régime moteur et je sais pas, à 3005, même si elles sont fermées, elles sont grillées. D'accord. Là, quand tu es en auto. Toi, une porte à passagère. Ah ouais. 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 Je sais même pas si c'est pour faire quoi. C'est pour le vibrant. C'est pour le vibrant. Télégramme à chacune. Même ça, tu les veux, ça repart par la mer. Ouais. La finition, elle est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais. Allez, vite, manger de ta dernière bière, s'il te plaît. Quand c'est fermé, quand la valve est fermée, ça passe là. Ça passe là dans le silencieux ça et ça. Ça fait ça. Et quand c'est ouvert, ça fait ça, ça. Elle n'est pas trop rouillarde hein, pour non, une. Non, t'as vu ce qu'elle avait dit, elle n'est pas. Non, par contre, il y a des vis à l'envers, ils vont s'amuser. Thank you.
Puteng bah, de puteng. C'est beau. Moi, c'est quoi? C'est beau d'être youtubeur. T'as vu ce que tu grattes et tout? Putain. Ouais, ça va d'abord. Je sais pas comment d'origine. Maintenant, on doit se boucher les Bon, alors, ça donne quoi la puissance? 370 chevaux. Oh. On était loin des pronostics quand même. Mais c'est un truc de ouf. Putain, c'est abusé. On a sorti 309 d'origine et 370 repourri éthanol. C'est ouf. Éthanol. C'est abusé. C'est fou pour un V6, quoi. C'est ouf. Atmo. Putain, elle a plus autant qu'une turbo. Elle a les grosses aspis, elle a tout ça. Elle est décata et elle a l'admission. Trop ouf. Donc maintenant tu peux rouler à l'éthanol, faut lui expliquer, donc à l'éthanol. Tu peux mettre de l'éthanol dans le réservoir ou du sans-plomb. Tu peux mixer les deux. Mais le mieux c'est à l'éthanol. Bah t'as plus de puissance à l'éthanol, ça te coûte moins cher. Allez, et tu pollues moins. En plus pour l'environnement, voilà. Nice. Bien ma titine. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette puissance? Déjà, au retour, Valve Ferbeau ou Valve Ouverte sur l'autoroute? Parce que là. Valve Ouverte. Valve Ouverte. Valve Ouverte, on va rouler à 270 et. Calme-toi, il y a une pleure. C'est grave. Bon, c'est quoi les prochaines étapes? On met le frein à main hydraulique, arceau, on la pose dans le sol. Pas tout de suite. On coupe les ailes. pas tout de suite. Ah, bon, mais ouais, donne-moi 3 mois. T'as vu, hein, elle parle chinois, Lulu. Ah ouais. T'as vu, elle parle chinois. Non, je lui dis 3 mois. Elle veut pas la poser dans le sol, mettre un arceau et lui couper les ailes. Oh! Pas tout de suite! Attends que je la marbre un petit peu. Je la marbre un peu. Bon, rentrez bien et. Ouais, et à très vite. Ouais. Merci beaucoup pour la deuxième étape. Super moment partagé quoi. Franchement, trop cool. Quoi. Allez, salut! Mais salut, regarde, il est dingue. Ceci est le cut de. On va sur le parking. C'est ça. The next day. Perdu par la fenêtre? Hein? J'avais le bras là? C'est rigolo quand même. Ouais, c'est marrant. Rigole. Quand tu drifts. On a dit que je faisais une gueule de merde quand on driftait. Alors. Bon, du coup, on va se mettre en position fermée. Ok. On va ouvrir les fenêtres pour entendre un petit peu l'air. Comment elle bouge la voiture quand j'accélère? C'est pas mal hein, franchement ça fait pas trop de bruit. Je pense que c'est cool pour les. Comme je disais, les circuits et tout. Donc là, R, je sais pas s'il y a un petit temps pour que ça s'ouvre ou pas. Voilà, ça s'entend direct. T'accélères un petit peu. C'est presque satisfaisant comme bruit, c'est horrible. Et là, t'as le mode auto. J'essaie de voir si on entend quand même la petite différence au ralenti, mais il n'y a pas trop de différence. Du coup, auto, normalement, voilà, c'est plutôt silencieux en bas. Et il y a un moment, elle décide de s'ouvrir toute seule.
Ah voilà. Au moment où tu mets gaz et quand ça redescend après, ça reste un petit peu ouvert, tu vois. C'est pas mal le mode auto, ça fait genre t'es en ville, tu fais pas de bruit et puis tu mets gaz et ça fait du bruit quand même. Et je crois que mon mode préféré c'est le mode R. Salut bébé. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné un petit avant-goût de la bête que cette voiture va être. Là, les projets dimanche, c'est session drift. Première grosse session drift sur circuit. Ce sera aux Écuyers. Donc mon petit circuit local près de chez moi. J'ai jamais roulé avec en voiture, j'ai roulé que en moto dessus. Et de ce que je connais en moto, je sais juste que c'est un circuit qui est plutôt rapide. Et bon, bah on verra. Franchement, on verra. J'espère que ça va donner. Je suis plutôt confiante. Après, j'ai juste franchement trop hâte. Vraiment trop trop hâte de m'y mettre vraiment. Et de passer un peu la vitesse supérieure. On garde la voiture toute d'origine. Comme ça, je pourrais vous donner un feedback vraiment sur la voiture, comment elle est, telle qu'elle est. Le concours improvisé où je vous faisais deviner la puissance réelle de la voiture après posage de la ligne, passage chez Shiftech, carto éthanol et tout le tralala. Du coup, vous avez été des milliers vraiment à écrire sur Instagram, des milliers, des milliers, des milliers. J'ai trop galéré à trouver les réponses et il y en a deux qui ont vraiment trouvé. Donc quelqu'un qui a répondu dans le questionnaire et quelqu'un qui m'avait écrit un message privé et qui m'avait dit elle doit faire 377 et celui-là je le compte quand même. Les gars, je vais vous envoyer des MP. Surveillez vos MP, ceux qui me suivent sur Instagram, allez voir vos MP. Et regardez, si je vous ai pas écrit, envoyez-moi votre adresse et vous allez recevoir un petit colis Odd sympathique. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime fort. À très vite, bye. Madame.